Alors, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt partir, mais avant de partir, je voudrais vous dire combien encore on a été contents de passer ce moment avec vous tous. J'espère que le Seigneur nous permettra de revenir. Parce que, en général, quand il y a un premier contact comme ça, il y a une suite qui vient après. Et ben, on se laissera conduire par le Seigneur. Comme ça, on pourra prier les uns pour les autres. Non, pour ce qu'on est, on pourra prier comme le Saint-Esprit nous le montre. Alors, ce matin, je voulais vous parler d'un certain sujet, mais le Seigneur m'a encore demandé de vous parler de la foi. On va commencer par là. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache, puisque tout ce qu'on reçoit du Seigneur, il nous demande de le prendre par la foi. Alors, je vais faire une petite révision dans la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, qu'est-ce que c'est vraiment que la foi, et qu'on soit sûr qu'on l'est. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient avoir la foi et qui n'ont pas. La foi, d'ailleurs, elle se mesure uniquement au résultat. Si on a la foi, ça produit la chose à laquelle on croit. C'est important de savoir que tout ce qu'on croit, ça se réalise. Le bon ou le mauvais. Et il vaut mieux croire aux bonnes choses pour qu'elles se réalisent, c'est-à-dire croire à la parole de Dieu plutôt que de croire à des mensonges ou à la parole de Satan. Si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, là il nous est donné une définition de la foi, mais il faut bien comprendre cette définition. Hébreux 11, 1, il dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous sont annoncées par quelqu'un. Là, il parle de la foi en Dieu, de la foi dans la parole de Dieu. Mais c'est la même chose pour n'importe quelle personne qui nous parle. Si quelqu'un nous parle qui n'est pas Dieu, quelqu'un nous parle et qu'on croit en ce qu'il dit, on va garder dans notre cœur ses paroles. Mais quelquefois, quand Satan nous parle, il y en a qui le croient aussi, parce qu'il est très fort pour faire des mensonges qui ont une belle apparence, qui ressemble à des paroles de Dieu, et si on croit à ces mensonges-là, c'est ça qui va arriver aussi. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est athée. Un athée, il croit qu'il n'y a pas de Dieu. Et un athée peut vous dire, moi je suis tout à fait certain qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai une totale certitude que Dieu n'existe pas. J'ai une totale certitude qu'après la mort, il n'y a rien. C'est le trou. Alors, il est en train de dire qu'il a une totale certitude dans des choses qu'il ne voit pas, mais qui ne sont pas les bonnes. Il a une totale certitude qu'il n'y a pas de Dieu, et nous, on sait qu'il y en a un. Donc, pourquoi il a cette totale certitude? Parce qu'au lieu d'écouter la parole de Dieu, il écoute les mensonges du diable. Et le résultat, c'est que dans ses paroles, dans ses actions, il est contrôlé par ce qu'il croit. Nous, dans notre vie, à nous tous, on est toujours contrôlé par ce qu'on croit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on entend, aux enseignements qu'on entend. Quand Paul dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend, ben, ça dépend de qui parle et qui on va entendre. Là, il dit la foi vient de ce qu'on entend, mais c'est sous-entendu la foi en Dieu vient de ce qu'on entend de la part de Dieu.
Si on entend quelqu'un d'autre parler et qu'on croit, si on entend les paroles de Satan, eh bien, on va croire à ce qu'il nous dit, et la foi en Satan vient de ce qu'on entend de lui. Et ça va produire, évidemment, les mauvais résultats qu'on a cru. Il y a une autre chose. Alors là, si je continue à lire le chapitre 11, au verset 2, il dit « Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » C'est toujours sous-entendu, mais ça veut dire que « Pour avoir possédé la foi en Dieu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de Dieu. » Dieu s'est arrangé pour leur faire comprendre qu'il était content d'eux, qu'il était satisfait, parce qu'ils avaient entendu sa parole et ils avaient cru. Et un peu plus bas, il dit, au verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Là aussi, c'est sous-entendu, « Sans la foi en Dieu, sans la foi dans les paroles de Dieu, on ne peut pas lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'on croit que Dieu existe et on croit que Dieu donne à ceux qui le cherchent ce qu'il a promis lui. Vous comprenez? Alors ensuite, il faut savoir que tout ce qu'on croit, c'est dans le cœur que ça se place. C'est pas dans la tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que une fois qu'ils ont compris une doctrine de Dieu, eh bien, ils ont cru. C'est pas vrai. Une fois qu'on a compris, on n'a pas encore cru. On a simplement compris. Et quand on croit que c'est vrai, si on a compris, dès qu'on croit, ça rentre dans le cœur, ça descend tout seul dans le cœur. Le cœur, c'est l'endroit qui croit. La tête, c'est l'endroit qui comprend. Et il ne suffit pas de comprendre. Il y en a qui disent, bon, moi j'ai compris que Jésus a porté mes maladies sur la croix. J'ai très bien compris. Mais ça ne suffit pas pour croire. Pour croire, il faut être sûr que c'est la vérité, que cette vérité, on l'a reçue pour nous, on l'a installée dans notre cœur, parce qu'on a attaché la foi. On croit que ce qu'on a entendu est vraiment vrai, quoi. Et dès que tu as cru, tu ne vas pas parler de la même manière, tu ne vas pas agir de la même manière. La foi, quand on l'a dans le cœur, ça nous pousse à parler et à agir, normalement. Alors si vous dites, moi j'ai la foi que j'ai été guéri dans les meurtrissures de Jésus, si vraiment c'est la vraie foi, tu ne vas pas seulement parler, mais tu vas agir conformément à ce que tu crois. La foi, c'est toujours une action conforme à ce qu'on croit. Regardez dans le chapitre 11, toujours là, au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. La foi, c'est toujours faire quelque chose qui est conforme à ce qu'on a entendu et cru. Il y a une action qui suit. Noé n'a pas dit simplement « Bon, je crois qu'il va y avoir un déluge parce que Dieu me l'a dit. » Mais il a mis sa foi en action, il a fait quelque chose, il a construit une arche. Au verset 8, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou de son appel, il obéit, il partit. » Voilà, il a fait quelque chose. Il n'a pas simplement dit, « Bon Seigneur, je crois. Ah, c'est bien, je crois, tu m'as parlé. » Mais il a mis sa foi en action et il a fait ce que Dieu lui demandait. Il a cru à ce que Dieu lui dit et il a agi, il est parti. Et tous les autres, c'est pareil. Par exemple, il est dit au verset 29, « C'est par la foi que les Hébreux ont traversé la mer Rouge. » Donc, c'est par la foi qu'ils ont marché, qu'ils ont agi. Un peu plus bas, il dit au verset 32, « Que dirais-je encore? Le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont agi. Ils ont agi parce qu'ils ont cru. Alors d'une part, il faut être très attentif à ce qu'on entend et à ce qu'on met dans le cœur. Il faut vraiment faire attention parce que beaucoup de chrétiens, ils agissent et ils parlent en fonction des mensonges qu'ils ont laissé rentrer dans leur cœur, des traditions d'hommes ou des fausses doctrines ou des doctrines de démons qui sont bien ficelées, bien présentées. Et si on ne veille pas pour étudier nous-mêmes la vérité là, on va laisser rentrer dans notre cœur des doctrines, des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu et qui vont toujours produire des mauvais résultats. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit dans Romains 12, au chapitre 12 de Romains. Et au verset 3, Romains 12, 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Vous pouvez en avoir une un peu haute, mais pas trop. Pas trop haute, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie ou a donnée à chacun. C'est important de savoir que la foi, c'est la capacité de croire. C'est la capacité de croire et Dieu a donné à chaque homme, à chacun, la capacité de croire. Une mesure de foi. Je ne sais pas quelle est cette mesure, mais enfin, une mesure, c'est une quantité. Il a donné à chacun une quantité. Est-ce que c'est la même quantité qu'il a donnée à chacun? Peut-être, mais enfin, en tout cas, nous devons savoir que nous, chacun de nous, on a reçu de Dieu une mesure de foi. Cette mesure, il nous la donne pour commencer à croire. Et lui, il espère qu'on va croire uniquement à sa parole. Mais cette mesure de foi, on l'utilise trop souvent pour croire à autre chose que sa parole. Et du coup, la réserve de foi qui nous reste n'est pas suffisante pour l'attacher à la parole de Dieu. Alors si je prends un exemple tout simple, imagine que Dieu te donne une mesure de foi ou une quantité de foi de 100 litres. Voilà, c'est la mesure qu'il t'a donnée, 100 litres de foi. Alors si tu prends 50 litres pour croire à un mensonge ou des mensonges, tu vois que dans la réserve qui te reste, il te reste que 50 litres pour croire à la vérité. Si tu utilises 90 litres pour croire à des mensonges, il va te rester un petit peu de foi pour croire à la vérité. Et ce que Dieu va chercher à te faire comprendre à ce moment-là, c'est que toute ta belle réserve de foi, eh bien, la plupart est utilisée de la mauvaise manière pour croire à des mensonges. Donc ce qu'il va chercher à faire, c'est te présenter la vérité, te montrer que cette vérité vient de lui, et puis il attend que, en écoutant la vérité, tu dises « Ah bon, jusque-là j'ai utilisé ma foi pour croire à des mensonges, maintenant je le comprends parce que la vérité m'est présentée. » Donc dès que la vérité t'est présentée, tu détaches ta foi des mensonges et tu peux maintenant avoir suffisamment de foi pour croire à ce que Dieu te montre maintenant. Et il y a des chrétiens qui, quand la vérité leur est présentée, au moins au début, ils refusent de l'accepter parce que déjà, ils ont attaché la foi à quelque chose d'autre. Et Dieu revient, et ceux qui annoncent sa parole doivent revenir souvent. Pierre, il le dit, Paul, il le dit, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses parce que c'est salutaire pour vous. Vous finirez par comprendre que ce que vous croyez ou ce que vous avez cru jusque-là, ce n'est pas bon et qu'il faut lâcher ça pour consacrer toute votre réserve pour croire à la vérité. Maintenant, il dit aussi que la foi fait partie du fruit de l'esprit. Si vous regardez dans Galates 5,
au verset 22. Galates 5, verset 22. Le fruit, c'est quelque chose qui commence tout petit. Hein, quand une fleur est ensemencée, donc ça veut dire que mon cœur, c'est un peu comme une fleur, et il faut que je reçoive dans ce cœur la semence de Dieu. Ça va faire fructifier la fleur, et le petit fruit, un fruit, normalement, il commence tout petit. Et après, il grossit. Il reste vert, il grossit, et après, il arrive à maturité. Mais là, il parle du fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il déverse sa parole dans nos cœurs, il ensemence notre cœur avec la parole, et il y a un fruit qui est conçu là, et ce fruit, il faut faire attention, il faut le laisser. Il ne faut pas qu'il se perde, il ne faut pas qu'il se dessèche, il ne faut pas qu'il tombe avant d'être mûr, il ne faut pas qu'il se perde, il ne faut pas qu'il pourrisse, il ne faut pas qu'il y ait des bêtes qui rentrent dedans. Mais normalement, si le fruit grandit normalement, il va grossir, il va s'élargir. Donc la mesure qui est contenue dans le fruit, elle va aussi s'élargir. Et dans cette mesure, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et dans ma version, il est marqué la fidélité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre version. La fidélité, en grec, c'est le mot pistis, c'est le même mot que foi, qui est traduit par foi ailleurs. Est-ce que ça peut se comprendre ? La vraie foi pour Dieu, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Si je reste fidèle à la parole de Dieu, je crois en sa parole. Et donc, cette fidélité-là, la douceur, la maîtrise de soi, ce fruit-là, il grandit en moi. Et à mesure qu'il grandit, ça élargit mes limites. Et Dieu peut déverser davantage de toutes ces choses-là, l'amour, la joie, la paix, la foi. C'est des caractéristiques qui viennent de Dieu, qui sont sa nature à lui. Il dit, Paul, que dans une des épîtres, que le Saint-Esprit a déjà déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Il n'y a pas que l'amour qu'il a déversé. Il y a tout le reste là, y compris la foi. Dans notre esprit, il a déjà déversé ces choses. Et à mesure que dans mon cœur, dans mon âme, je laisse ces choses descendre d'en haut pour remplir mon cœur des bonnes choses qui viennent d'en haut, à ce moment-là, la foi de Dieu remplit davantage mon cœur. Alléluia. Donc d'une part, Dieu donne au départ une certaine mesure, 100 litres, je dis, mais c'est pour comprendre, hein, je ne sais pas si c'est 100 litres ou 200 ou 50, mais c'est une mesure. Cette mesure-là, on est responsable de bien l'utiliser. Et une fois qu'on a tout utilisé, si j'ai utilisé les 100 litres de foi que j'ai au départ pour la vérité, si Dieu veut que je croie à d'autres vérités qu'il va me montrer, il va continuer à me donner, il va élargir mes limites. Au lieu de 100 litres, comme le fruit grandit, ça va être 150 litres, 200 litres. Et il peut continuer à déverser de son esprit davantage de foi au fur et à mesure qu'il me présente la vérité. La réserve de Dieu de foi, elle est illimitée. C'est seulement la capacité de la personne qui est là qui est limitée. Et si Dieu continue à m'aider à élargir mes limites, eh bien, je peux l'élargir indéfiniment, puisque même dans l'éternité, je vais continuer à élargir mes limites, parce que Dieu, il est infini, il veut qu'on le croie complètement, qu'on le connaisse complètement. Donc on est sûr que même dans le ciel, notre capacité de croire va être élargie. Là, il n'y a plus question de croire dans des mensonges. Dans le ciel, on croira qu'on a la vérité. Mais on ne va pas tout croire d'un coup quand on arrive dans le ciel. On va continuer dans l'éternité à connaître Dieu de plus en plus. On va continuer à recevoir la parole de Dieu, mais sans douter. Et là, il dit dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. L'amour, c'est un des éléments du fruit de l'esprit. En fait, tout le fruit de l'esprit revient à l'amour, parce que la patience, c'est une forme d'amour aussi. La foi, c'est une forme d'amour pour Dieu. Le contrôle de soi, c'est une forme d'amour. Si je me contrôle devant les personnes qui m'embêtent,
si je reste calme et que je laisse l'amour de Dieu, eh bien, c'est une forme d'amour qui se manifeste dans le contrôle de soi. Là, l'amour, donc, il dit 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour ne périt jamais. Et la foi ne périt jamais non plus, la foi de Dieu, l'espérance non plus. Il donne quelques informations sur l'amour. Il dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se vante, il manque d'amour. Il s'intéresse à lui-même plutôt qu'aux autres. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, parce que l'amour est humble. Vous voyez comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, il était humble, il ne se mettait pas en avant, il n'essayait pas de prouver qu'il était le Fils de Dieu en faisant comme ça les grandes choses pour faire du cirque. Non, il n'a jamais voulu ça. Quand le diable lui a dit, mais mets-toi en haut du temple et jette-toi en bas comme ça devant tout le monde, les anges vont te porter, tu vas voir, tout le monde va comprendre que tu es un être exceptionnel. Ben non, il n'a pas voulu faire ça, il se comportait comme un simple homme pour nous donner un exemple que nous, on peut suivre. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire qu'un chrétien qui truque sa feuille d'impôt, fait quelque chose de malhonnête, il manque encore d'amour. Le véritable amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt des autres, l'intérêt de Dieu. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne se met pas en colère, sauf la sainte colère de Dieu, mais il faut savoir faire la différence. La sainte colère de Dieu, c'est celle de Jésus quand il entre au temple et il voit tous les marchands du temple là, qui faisaient de l'argent sur le dos des pèlerins. Et il dit, mais vous avez transformé la maison de prière en caverne de voleurs. Il prend un fouet et bam, il renverse les tables des changeurs, il chasse les pigeons, les vaches, les veaux, les cochons puisqu'il n'en avait pas, mais les animaux qui étaient là pour être vendus en sacrifice. Et il se fâche pour défendre les intérêts de son père, pas pour défendre ses intérêts personnels. Quand un chrétien qui est charnel se fâche, il se fâche pour défendre ses intérêts. Tu m'as fait du mal, alors moi je te fais du mal. Si tu m'avais laissé tranquille, je t'aurais laissé tranquille. Ça c'est la chair qui parle, c'est pas l'esprit de Jésus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton esprit, Dieu a déjà déversé la bonne qualité d'amour là. Si tu le crois et que tu ouvres ton cœur, ben cet amour-là, il va venir dans ta vie, en bas là, dans ton âme et dans ton comportement de tous les jours. Et tu vas pouvoir manifester ce qu'il y a déjà dedans, y compris la foi aussi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout de la bonne manière. Il comprend tout. L'amour croit tout. Vous voyez le rapport entre l'amour et la foi? L'amour croit tout. Enfin, tout ce que Dieu dit. Hein. Je ne vais pas croire ce que tu attends dit. Si j'aime Dieu, je vais croire uniquement ce qu'il dit. L'amour croit tout ce que Dieu dit. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Jusqu'à quand je vais vous supporter, dit Jésus. Il a continué à les supporter, ces 12 disciples incrédules là. Et il va continuer à nous supporter aussi. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, il va nous donner une petite correction sur la mérite. Par amour. Parce qu'un petit enfant, il a besoin d'être corrigé. Et quand on est charnel encore, on est encore comme un petit enfant qui a besoin d'être instruit avec amour et aussi corrigé parfois avec amour. Les corrections, ça fait toujours mal, mais ça fait du bien finalement parce que ça nous fait participer à la sainteté de Dieu. Et au verset 13, il dit « Maintenant, il y a trois choses qui demeurent, qui restent en permanence sur la terre et dans l'éternité. » Il y a trois choses qui restent, c'est l'amour. C'est l'amour, la foi, il commence par la foi, l'espérance et l'amour. Donc ça veut dire que dans la nature même de Dieu, il y a ces trois éléments-là, la foi, l'espérance et l'amour, qui restent en permanence dans l'éternité. On doit les exercer sur la terre et on continuera à le faire quand on sera dans le ciel, dans la présence de Dieu ou dans l'éternité avec lui.
Parce que la foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on espère. Dans le ciel, le Seigneur continuera à nous enseigner sa parole. On ne va pas tout savoir d'un coup en arrivant au ciel. Il va continuer à se révéler lui-même tel qu'il est. Et comme on dit dans un autre épître, que qui nous révélera la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, qui est infini. Et il faudra l'éternité pour connaître celui qui est infini. Ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Dans le ciel, le Seigneur va nous annoncer une parole qu'on ne connaît pas encore. Comme il n'y a pas de doute là dans le ciel, on va recevoir cette parole par la foi. Et comme on l'a reçue par la foi, on va voir se réaliser ce qu'il nous a dit. On sera heureux, on dira merveilleux. On ne connaissait pas encore ça de notre Seigneur ou de sa parole. Et là, il nous révèle quelque chose de nouveau, qui nous réjouit. Et on va attendre, espérer encore autre chose. Et le lendemain, le Seigneur va dire, « Ah, j'ai encore une vérité à vous révéler là. Écoutez bien vos oreilles, ouvrez vos oreilles, votre cœur. Voilà un nouvel aspect de ma parole et de ma nature que vous ne connaissiez pas. » Il nous le révèle, on le reçoit par la foi. On croit que c'est vrai, évidemment, parce qu'il n'y a pas de doute. Et en le croyant, nous le voyons s'accomplir, on en bénéficie, on en jouit, on en profite concrètement. Et puis, on attend encore autre chose de bon. C'est toujours comme ça qu'on doit faire avec notre Dieu, même maintenant sur la terre. Il y a plein de choses, je disais hier soir, qu'il y a plein de choses dans notre héritage dont on n'a pas encore profité. Et comment en profiter? Il faut découvrir dans la parole de Dieu tout ce qu'il y a dans notre héritage en Jésus-Christ. Il faut bien l'écouter, le comprendre par le Saint-Esprit, et dès qu'on a compris, le croire que c'est vrai, ça descend dans le cœur, et puisqu'on l'a cru, eh bien, on va le voir s'accomplir. Et là, nos besoins sont de plus en plus satisfaits quand nous comprenons la parole, quand nous croyons en ce qui est écrit. Eh bien, quand nous croyons en ce qui est écrit, on remplit notre cœur de la vérité. Jésus dit que le cœur, c'est là qu'on met notre trésor. Malheureusement, il y a des chrétiens qui mettent un mauvais trésor, parce que Jésus parle d'un mauvais trésor et d'un bon trésor. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu remplis ton cœur des paroles de Satan et des doutes, eh bien, c'est ça qui va sortir par ta bouche. Alors je vais t'entendre dire, « Oh, je suis un pauvre petit chrétien minable. » Oh, je ne sais pas si Dieu a un plan pour moi, sur cette terre ou dans l'église. Oh, moi, je suis faible. Moi, je ne sais pas si Jésus arrivera à faire quelque chose de moi. Il n'y a aucun ministère pour moi. Je suis bon à rien ou à peu de choses. Il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ont laissé descendre ces mensonges-là et ils croient. Et c'est ce qui arrive dans leur vie. Ils restent dans leur coin, ou ils restent à tourner dans leur désert, dans leur coin, en disant « Ah, que tu reviennes vite, Seigneur, pour me sortir de là et m'amener au ciel. Mais tant que je serai sur cette terre, il n'y a rien de bon à sortir. » Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des grandes choses avec ce chrétien-là? Non. Non, il ne peut pas. Alors qu'il a prévu qu'on soit des rois, des sacrificateurs, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Il a même dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes. Il y a un frère qui me disait, ah, de plus grandes, qu'est-ce que c'est les plus grandes? J'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire des plus grandes. Moi, je lui dis, ben, commençons d'abord par faire les mêmes que lui, et quand on aura fait les mêmes que lui, il va nous montrer quelles sont les plus grandes. Intéresse-toi d'abord aux mêmes œuvres que celles de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus comme œuvre? Eh bien, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait du bien à tous ceux qui étaient malheureux, aux prostituées, aux gens de mauvaise vie, à ceux qui avaient des besoins, des malheurs. Il les consolait, il leur faisait du bien, il les guérissait, il guérissait les cœurs brisés, les corps malades. Voilà l'amour de Jésus. Et il dit maintenant, si tu es mon disciple, je t'appelle à faire la même chose, donc à être rempli de foi et d'amour pour que je puisse t'utiliser pour faire les mêmes choses que moi. Mais comment il va y arriver? En nous disant la vérité, il dit voilà, si tu crois en moi,
tu vas faire des grandes choses lui-même. Tu es fidèle d'abord dans les petites, dans les moyennes et les grandes. Et tu vas grandir dans la réalisation de ce que Dieu a prévu pour toi. Sois fidèle dans les petites, il va t'en donner des moyennes, il va t'en donner des grandes, parce que c'est ça le but de Dieu. Il veut faire de grandes choses avec nous, non pas pour que on soit regardé comme des hommes et des femmes spéciaux, vraiment, là, non, simplement pour glorifier Dieu et accomplir sa parole. Puisque lui, il a dit, c'est qu'il est fidèle à sa parole. Si je crois en lui, je vais faire les mêmes œuvres que moi, dit Jésus. Tu vas faire les mêmes œuvres que moi, dit Jésus. Il faut commencer là où ça se présente devant toi, dans ta famille, si un de tes enfants est malade. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus s'il était là? Il se serait approché, il aurait posé sa main, il aurait dit, voilà, que cet enfant soit guéri, et il aurait été guéri parce que Jésus veut le faire, et il y a sa puissance qui se dégage. Un petit enfant, il n'a pas la foi, un tout petit comme ça, il ne sait pas. Mais la foi de celui qui prie doit suffire à ce moment-là. Quand on est adulte, Dieu attend que nous, on exerce aussi notre foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les adultes que Dieu a guéris, qui sont décrits dans les évangiles, ils se sont approchés de Jésus avec foi, parce qu'ils avaient entendu parler de lui, et ils avaient entendu dire que ce prophète-là faisait du bien à tout le monde et guérissait tout le monde. Et donc, ils s'approchaient d'abord pour voir, et ensuite, une fois qu'ils l'avaient vu, ils avaient constaté que c'était vrai, et ils avaient fini par dire, bon, eh bien, moi aussi, je vais faire partie de ceux qui va venir. Regardez comment Jésus travaillait pour stimuler la foi de ceux qui l'entouraient. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. C'est quand Jésus est baptisé dans le Jourdain. On sait que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est là qu'il a été rempli de l'Esprit et rempli de la puissance de l'Esprit. Avant, c'était un jeune homme ordinaire. Il n'avait jamais rien fait, aucune œuvre puissante. Il était ordinaire, mais il était sans péché. Donc les jeunes de son âge à Nazareth devaient se dire, ce Jésus-là, il n'est pas comme nous. Il ne va pas en boîte, il ne danse pas, il ne boit pas. Il est sage, il est pur, il a quelque chose de spécial. Mais de notre côté, c'était un jeune homme qui n'a rien fait d'extraordinaire. Avant d'être baptisé de Saint-Esprit, il n'a jamais guéri personne à Nazareth. Il n'a jamais ressuscité un mort, il n'a jamais chassé un démon. Il menait une vie ordinaire. Mais quand il a été baptisé, rempli et oint de puissance, alors là, il a commencé des œuvres puissantes. Et au chapitre 4 de Matthieu, il dit au verset 23, Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et ensuite guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il nous montre un exemple là. Si dans l'église de Jésus on veut voir davantage de guérisons et de miracles, il faut commencer par enseigner et prêcher, comme Jésus. Il n'est pas arrivé comme ça sur la place centrale de Nazareth en disant « Ah, vous ne le saviez pas, mais je suis le Fils de Dieu, j'ai toute la puissance de Dieu avec moi, mais alignez-moi là 5 aveugles, et puis vous allez voir, en un instant, ils vont être guéris, vous allez être certain que je suis le Messie. Mettez là 12 paralytiques, et en un instant, qu'ils le veuillent ou pas, je vais les guérir, et vous allez comprendre que je suis le Fils de Dieu. » Jamais il n'a fait ça comme ça. Pour nous montrer que nous aussi, on doit suivre cet exemple. Il commençait par enseigner, parce qu'il savait que la foi vient de ce qu'on entend. Il enseignait la vérité, et il attendait que les gens qui l'écoutent croient. Et ensuite, il prêchait. Quelle est la différence entre enseigner et prêcher? Enseigner, c'est expliquer, comme je le fais là. Expliquer la vérité, la faire comprendre, l'expliquer clairement. Et attendre que ceux qui écoutent comprennent et reçoivent dans le cœur. Prêcher, c'est proclamer une vérité.
proclamer simplement, non, c'est une femme, on proclame Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan, il est sorti du tombeau. Donc ça c'est proclamer, et après si on veut enseigner, on explique ce que ça veut dire. Et une fois qu'il avait enseigné et prêché, ceux qui avaient reçu sa parole, là ils avaient la foi, et là ils pouvaient ensuite guérir les malades et les infirmes. Si vous regardez au chapitre 10 de Matthieu, toujours un peu plus loin, chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Enseignant dans les synagogues, toujours pareil, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et ensuite guérissant toute maladie et toute infirmité, mais après qu'il ait eu enseigné et prêché. Ce qui fait que s'il n'y a pas dans l'église de Jésus plus de miracles et de guérisons, c'est qu'on n'enseigne pas et on ne prêche pas la vérité. Ou on enseigne des fausses doctrines. On dit Dieu veut que tu sois malade, ou le temps des miracles est passé, ou Dieu veut t'apprendre quelque chose par cette maladie. Il veut t'envoyer à l'hôpital pour que tu ailles témoigner aux médecins et aux infirmières, mais moi je peux aller très bien visiter un hôpital en bonne santé et aller prêcher aux médecins et aux infirmières si c'est possible. Je n'ai pas besoin d'être malade pour aller là-bas témoigner. Hein. Je vais repérer où habite le médecin, je vais aller lui témoigner chez lui, et je n'ai pas besoin que Satan me rende malade pour aller témoigner dans un hôpital. Mais c'est sûr que si un chrétien y va, il peut témoigner. Mais Dieu ne va pas le rendre malade pour aller témoigner dans un hôpital. Donc, il prêchait la vérité pour stimuler la foi dans la vérité. Et vous voyez ce qu'il disait, regardez ce qu'il disait quand il a commencé à prêcher à Nazareth dans Luc au chapitre 4. Il commence par sa ville, Nazareth, parce qu'il savait là que les gens de sa ville le connaissaient depuis longtemps. Il était là arrivé, il était petit enfant, il avait peut-être 1 ou 2 ans, et il était resté jusqu'à 30 ans. Et pendant 28 ans, tout le monde le connaissait, c'était le charpentier, le fils du charpentier, celui qui faisait des tables, des chaises, des charpentes. C'était un bon charpentier sûrement. Il était sûrement très gentil avec ses clients, très honnête. Mais les gens le considéraient comme un homme ordinaire, un peu spécial, mais ordinaire. Un charpentier, quoi. Et là, quand il est rempli du Saint-Esprit, Luc 4, il revient au verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, parce qu'il était baptisé de l'Esprit. Et si nous sommes baptisés de l'Esprit, nous aussi nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. C'est le même Esprit que celui qui était sur Jésus, le même. Et si on ne le croit pas, évidemment, il ne va rien se passer. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Alors il se rend à Nazareth, sa ville, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit, sans doute comme d'habitude, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Moins pourquoi ? Pour annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez, il commence par la prédication. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle en premier. Enseigner, prêcher aux pauvres. Les pauvres, ce sont ceux qui sont pauvres en esprit, qui ne sont pas orgueilleux, qui ne résistent pas, qui ne disent pas « moi, j'ai besoin de rien ». Non, les pauvres, ce sont ceux qui ont besoin et ils ont besoin de recevoir quelque chose et une bénédiction. Alors, il m'a envoyé pour guérir. Vous voyez, d'abord prêcher la bonne nouvelle et ensuite guérir. Toujours le même ordre. Guérir d'abord ceux qui ont le cœur brisé. Il commence par le cœur. Parce que quand on est esclave du péché et de Satan, on a le cœur brisé par tout ce qui se passe dans notre vie. Hein. Et il guérit les cœurs brisés en les baignant dans son amour. Il n'y a que l'amour pour guérir les cœurs brisés. L'amour de Jésus, bien sûr, pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, il est égoïste. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Alors continue à me faire du bien et moi je continue à t'aimer.
Ça, c'est l'amour des hommes. L'amour de Jésus, il nous aime comme on est, parce que lui, il a de l'amour dans son cœur. Il ne regarde pas qu'est-ce qu'on est, il nous aime, voilà. Et si on ouvre notre cœur, on reçoit son amour et on est guéri dans le cœur. Il m'a envoyé pour, alors ensuite, proclamer aux captifs la délivrance. On est tous captifs de Satan au départ. Et il nous dit, voilà, je suis venu te délivrer de l'esclavage du diable. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, c'est à la fois les aveugles physiques, les aveugles spirituels, et pour renvoyer libres les opprimés, dans Actes 10, 38, il est dit, Pierre qui parle à Corneille et à sa famille, il dit, vous savez comment l'Éternel, comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression, sous l'esclavage de Satan. Alors quand il dit là, il a envoyé, déclaré, renvoyé libre les opprimés, tous ceux qui sont sous l'esclavage de Satan. Un malade, il est sous l'oppression de Satan. Quelqu'un qui est lié par des démons, d'alcool, de drogue, je sais, il est lié, il est esclave, opprimé par Satan. Et Jésus est venu délivrer. Mais pour ça, il faut s'approcher de lui avec foi pour croire qu'il veut nous délivrer. Parce qu'à Nazareth, ils n'ont pas reçu son message à cause de leur incrédulité. Alors, pour publier une année de grâce du Seigneur, elle a commencé ce jour-là et elle continue encore aujourd'hui. L'année de grâce, elle n'est pas finie. Elle finira quand Jésus viendra chercher son épouse. Alors, il ferme le livre et il dit au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et le verbe qui est utilisé en grec, c'est un verbe qui n'existe pas en français. On appelle ça le présent permanent. En français, quand on dit « je suis là », ça veut dire « je suis là en ce moment ». Mais en grec, si on appelle le présent permanent, ça veut dire que tant que tu utilises ce verbe, tu es là présent en permanent et ça n'arrête pas tant que tu n'es pas allé ailleurs. Donc ça veut dire que là, cette parole est accomplie ce jour-là, présent permanent, et elle continue de s'accomplir jusqu'à ce que Jésus revienne. Tant qu'il y a un présent pour nous, pour Dieu c'est maintenant toujours, le jour du salut, eh bien tout ça c'est accompli et c'est pour nous maintenant aujourd'hui, si nous croyons. Vous voyez, la suite montre que les gens qui entendent ça, ils étaient étonnés, ils ont dit mais qu'est-ce qui lui prend au pied du charpentier là? Mais alors il devient fou quoi, qu'est-ce qui lui prend? Et il ne reçoit pas sa parole, et même à la fin, au verset 28, il dit « Ils furent tous remplis de colère parce que Jésus leur reproche leur incrédulité. » Il leur dit, vous savez, du temps de Élie, il y avait plein de veuves en Israël. Eh bien, c'est une veuve du pays de Sidon qui a reçu le prophète Élie. Parce que les veuves d'Israël, elles n'étaient pas dans la foi. Du temps d'Élisée, il y avait plein de lépreux en Israël. Et c'est un Syrien, un étranger, qui est venu voir le prophète Élisée pour recevoir la guérison. Et pourquoi les lépreux qui étaient là en Israël ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ne croyaient pas au prophète, parce qu'ils ne croyaient pas en l'Éternel, et pourtant c'était le peuple de Dieu, et ils n'ont rien pu recevoir, alors que Élisée était prêt à les guérir tous s'ils étaient venus au nom de l'Éternel. Ils étaient venus chercher comme Naaman le Syrien leur guérison. Alors quand ils entendent ça, ils se disent, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Que nous, les Juifs, nous, on n'a pas la foi. Quelle offense il nous dit là, ce jeune charpentier? Et alors, ils se mettent en colère et ils veulent le tuer. Ils veulent le précipiter de la falaise. Alors, c'est pour ça que si vous regardez maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, Marc 6, verset 2, il va à Nazareth. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Mais étonné dans le mauvais sens, étonné parce qu'il doutait, il ne voulait pas croire. Il était étonné et disait, mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ce n'était pas une question pour essayer d'avoir un miracle même, c'était des doutes. Mais comment c'est possible ça? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Jose, Jude et Simon, donc il avait quatre frères,
et ses sœurs. Il en avait au moins deux. Donc dans la famille de Marie, il y avait cinq garçons et au moins deux filles, hein, ou trois. Et c'était vraiment des frères et sœurs de Jésus, ce n'est pas des cousins, des cousines. Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc vous étonnez pas si les gens de votre famille n'écoutent pas votre témoignage, c'est normal. Priez pour que Dieu envoie des étrangers qui vont leur dire la même chose que vous, et eux, ils vont être écoutés, alors qu'ils ne vous écouteront pas vous. Mais Dieu va vous utiliser pour aller parler à d'autres qui ne vont pas écouter leur propre famille, mais ils vont vous écouter à vous. Amen. Alors ne vous découragez pas, vous voyez, Jésus est passé par là. Et lisez le verset 25, le verset 5. Il ne put faire là, à Nazareth, aucun miracle. Et pourtant, c'était le même Fils de Dieu, avec la même puissance, la même onction. Il n'a pu faire à Nazareth aucun miracle. Si ce n'est qu'il y avait là quelques malades, il leur a imposé les mains, il les a guéris. Si tous les malades de Nazareth étaient venus, ils auraient tous été guéris. Mais comme il disait, bon, c'est le fils du charpentier qui déraille là, c'est pas la peine de s'approcher de lui, il va rien se passer. Mais il s'étonnait, verset 6, il s'étonnait de leur incrédulité. Et dans l'église de Jésus aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Souvent dans des églises, une église, c'est un Nazareth d'incrédulité. On a entendu parler de Jésus depuis 2000 ans dans les milieux chrétiens. Et puis depuis des centaines d'années, il ne s'est pas passé grand-chose parce que pendant des centaines d'années, l'église était dans les ténèbres. Il y a eu un réveil au début du XXe siècle. Maintenant, beaucoup de choses reviennent à la lumière, mais il y a un fond d'incrédulité parce que pendant longtemps, il ne s'est rien passé. Et alors on se demande comment il va pouvoir se passer des choses maintenant. Si vous êtes dans une église, par exemple, où pendant 20 ans vous êtes chrétien, et il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu quelques conversions, bon, il y a eu une fois ou deux une guérison, mais vraiment peu, pas grand-chose, ben vous allez dire, le diable il va essayer de travailler dans votre cœur pour vous faire croire que ça c'est normal maintenant. Que du temps de Jésus, d'accord, il y avait une action puissante du Saint-Esprit, mais maintenant on est à la fin des temps, maintenant c'est des temps de ténèbres, maintenant... C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de miracles, de guérisons. Si vous croyez ça, c'est ça qui va se passer. Mais si on recommence à prêcher, à enseigner, à proclamer la vérité, et si elle est reçue avec foi, on va revoir les miracles et les guérisons comme avant, parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Amen. Il m'a donné le pouvoir, par exemple, de guérir les malades. Mais si je le dis, comme il l'a dit, lui, à Nazareth, voilà, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, etc. Mais à Nazareth, personne ne l'a cru, il n'y a eu aucun miracle et il avait la même puissance. Moi, si je vous dis que Dieu m'a donné le pouvoir de guérir les malades et que vous me regardez en disant, bon là, lui, le métropolitain, qu'est-ce qu'il nous prend, il se glorifie, il n'y a rien qui va se passer, et bien il ne se passera rien, tout simplement. Il s'étonnait de leur incrédulité. Maintenant, l'avantage que j'ai ici, c'est que je peux vous dire peut-être la même chose que d'autres pasteurs ont pu vous dire en Martinique, mais comme moi je viens de l'extérieur, il y en a, je sais qu'ils vont m'écouter mieux, parce que, comme dit Jésus, personne n'est prophète dans son pays. Si un pasteur ou quelqu'un, un prêcheur, un prédicateur martiniquais vous dit la même chose, certains vont dire, bon, ils ne vont pas l'écouter, alors que quelqu'un vient de l'extérieur, ils vont l'écouter et c'est le même message qu'ils donnent. Ben parce que on est comme ça et il faut apprendre à ne plus être comme ça. Simplement être sensible à la vérité, quelle que soit la personne qui dit. Que ce soit un Martiniquais, un Américain, un Métropolitain ou autre, est-ce que c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, je prends. Et là, c'est bon. Il s'étonnait de leur incrédulité et à la fin du verset 6, regardez ce qu'il dit. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parce qu'il savait que la seule manière d'éliminer l'incrédulité, c'est d'enseigner et d'enseigner et d'enseigner et d'enseigner. Jusqu'à ce que finalement, les oreilles et les cœurs s'ouvrent, on reçoit la vérité et là, les miracles commencent à se faire. Donc, vous voyez que la foi, puisque là, on est...
On est dans Marc 6, regardez juste à côté dans Marc 5, un exemple de foi. Dans Marc 5, au verset 22, Jésus arrive là au bord du lac, et il y a un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressa cette instante prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus alla tout de suite avec lui, ne discute pas, il y a un besoin, il y va. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait peut-être des pertes, enfin bon, depuis 12 ans elle perdait du sang. Et pour un juif, c'est de l'impureté, ça. Un juif qui perdait du sang ne pouvait pas toucher quelqu'un d'autre. Il avait l'interdiction. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui, ça. Ayant entendu parler de Jésus, voyez comment la foi commence à venir en elle. Elle entend parler de Jésus et elle commence à croire que c'est bon pour elle. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait. Vous voyez que l'abondance du cœur fait parler. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait ce qu'il y avait dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait aux autres, elle disait à elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, ou le bord de son vêtement, toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle ne dit pas « Je serai peut-être guéri, je vais essayer. » Elle disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'approche, elle écarte la foule, elle devait être faible, elle écarte et à un moment donné, elle touche le bord du vêtement et elle est guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle l'a senti parce qu'elle a cru d'abord que si elle touchait le bord, elle serait guérie. Qu'est-ce qui a décidé de sa guérison ? Est-ce que c'est Jésus ? Non, puisque lui, il allait de l'avant. Il ne savait pas qu'une femme était derrière, il s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Mais c'est la femme qui a décidé du moment de sa guérison. C'est la femme qui a décidé de la condition de sa guérison. Si elle avait dit par exemple, si je peux simplement m'approcher pour que son ombre me couvre, je serai guérie. Elle aurait été guérie. C'est elle qui a décidé des conditions. Elle aurait pu dire, si je peux m'approcher par devant et que je peux toucher sa main, bon, elle aurait été guérie. C'est pas Jésus qui a décidé comment elle allait être guérie. C'est elle. C'est pareil pour nous. Vous pouvez dire, par exemple, si je reçois l'imposition des mains, je vais être guérie parce que c'est écrit. Si on me fait l'onction d'huile, je vais être guérie parce que c'est écrit. Vous pouvez dire, si seulement je reçois la vérité dans mon cœur et que je prie conformément à cette parole, je serai guéri. C'est à vous de décider des conditions de votre guérison. Alors, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alors il se retourne et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit de toucher les vêtements, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, regardez ce qu'il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, t'a guérie, c'est pareil. Ta foi t'a guérie. Va en paix, sois guéri de ton mal, ou va en paix, tu es guéri de ton mal. » Alors, Jésus ne dit pas, c'est ma puissance qui t'a guéri. Parce qu'en fait, c'est la puissance de Jésus qui l'a guéri. Mais vous voyez que la puissance de Jésus a été déclenchée par la foi de cette femme-là. Et c'est toujours la même chose avec le Seigneur. Il a toujours la même puissance pour guérir. Il est au milieu de nous pour guérir
tous les malades qui peuvent être là. Il a la même puissance, la même volonté de guérir, mais s'il ne trouve pas quelque part chez quelqu'un la foi, cette puissance-là sera inutile. Elle ne va pas agir, elle ne va pas être déclenchée. Elle ne peut être déclenchée que si on croit que c'est pour nous. Et pourquoi on peut croire que c'est pour nous? Parce que la parole de Dieu nous le dit. Ça suffit? Amen. Si la parole de Dieu nous dit que Jésus a porté nos péchés dans son corps, ça veut dire que puisque nos péchés ont été expiés, il est prêt à pardonner immédiatement toute personne qui s'approche pour lui demander pardon. Sans traîner, sans attendre, sans imposer des conditions, il dira, est-ce que tu crois que je veux ou que je peux le faire? Oui, oui, Seigneur. Eh bien voilà, tu es pardonné, parce qu'il a payé pour nous. Exactement pareil pour les maladies. Il a payé, il a pris sur lui exactement comme nos péchés. Il a pris nos maladies, c'est payé. Et quand il nous regarde, il dit, bon, maintenant c'est disponible. Qui c'est qui veut s'approcher et prendre le cadeau que j'ai déjà payé pour lui? Dès que tu prends le cadeau par la foi, tu peux voir comme là, ta maladie disparaître instantanément. Amen. Parce que c'est Dieu qui le veut. Le prix est payé. C'est une question de confiance. Si tu dis maintenant, on va prier pour les malades qui le veulent, et au lieu de prier collectivement, je vais imposer les mains au nom de Jésus. Non pas que c'est meilleur d'imposer les mains, ça dépend de ce qu'on croit, mais c'est un point de contact pour la foi, parce que la parole de Dieu dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une des manières possibles. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'imposition des mains parce que vous croyez simplement à la parole, eh bien voilà, vous aurez le même résultat. Vous n'aurez pas besoin d'imposition. Mais puisque Dieu nous a donné ces moyens supplémentaires, c'est parce qu'il sait que parfois quelques-uns en ont besoin. Ça les aide. Et le résultat est le même. L'essentiel, c'est de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Et là, dans la parole, il y a plusieurs moyens de recevoir la guérison, mais il faut savoir que ça fait partie de l'héritage et du cadeau que Dieu nous a donné. En fait, toutes les bénédictions de Dieu sont comprises en Jésus. On peut se mettre d'accord pour prier pour un besoin quelconque. Si c'est couvert par le sacrifice de Jésus, vous pouvez le prendre ce matin, une fois pour toutes, le garder dans le cœur et de dire, maintenant que je l'ai saisi, je le verrai s'accomplir. Que ce soit le pardon, que ce soit la guérison, que ce soit la réponse à un besoin, quelqu'un qui a besoin d'un travail nouveau, ou quelqu'un qui a besoin que Dieu pourvoie un certain besoin, ou que ce soit un besoin pour quelqu'un de votre famille, ou pour une personne pour laquelle vous voulez prier, et le Saint-Esprit vous pousse à demander ce que vous voulez lui demander pour cette personne, que ce soit une guérison pour vous, tout ça c'est compris dans le sacrifice de Jésus. Il a dit le Seigneur par la bouche de l'apôtre Jean dans Jean 3, Jean 2, la troisième épître de Jean, au troisième épître de Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite, c'est pas ça qu'il dit, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que Jean priait selon la volonté de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas prier pour quelqu'un sans connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la même pour tous, c'est pas seulement pour Gaius. Donc tu peux dire, Dieu veut que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et si ton âme prospère, elle est dans la foi, elle est dans la joie, elle est dans l'amour, elle est dans la paix. Amen. Vous êtes content d'avoir un Seigneur si bon, si merveilleux? Ça vaut la peine de croire tout simplement ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas menteur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dès que tu tombes sur une parole de Dieu, là, dans ce livre, qui te concerne, qui concerne un besoin, tu peux t'approcher en rappelant à Dieu sa parole et en disant, Seigneur, je connais maintenant ta parole, je m'approche de toi avec ta propre parole et je viens chercher maintenant ce que toi-même tu m'as annoncé ou tu m'as promis. Et je le prends avec reconnaissance et je te dis merci. Et là, Dieu qui est fidèle, il doit accomplir dans votre vie sa promesse et sa parole. Il s'est obligé lui-même. Il est là au rendez-vous. Mais malheureusement, les autres ne sont pas là au rendez-vous comme à Nazareth. Les malades ne sont pas venus parce qu'ils ne croyaient pas.
Alors ça vaut la peine de croire, hein? Amen. 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 Alléluia. Seigneur, je sais que tu prends soin de ton troupeau, de tes brebis. Elles entendent ta voix. Tu es en train de toi-même nous sanctifier, nous purifier, nous rendre absolument parfaits dans l'esprit, l'âme et le corps, comme le dit ta parole. Et que c'est toi qui le feras dans la vie de ceux qui croient et de ceux qui le veulent. Et nous le voulons et nous le croyons, Seigneur. Alors nous te bénissons pour le plan merveilleux de salut que tu as prévu pour nous. Et nous attendons ton retour en persévérant dans la foi au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Soyez. Amen. Amen. Amen.